Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes toujours dans la joie de Pâques
Et cette joie durera jusqu'à au-delà même, au-delà de la Pentecôte. Mais le temps pascal, ça dure jusqu'à la Pentecôte. Et cette joie, c'est d'accueillir Jésus ressuscité. Et à travers sa résurrection, on nous comprend qu'il y en vient en train de nous également aussi dans le chemin de la vie pour qu'il nous gagne la vie tout le temps. Et qu'il nous capable également aussi à prendre content avec lui. C'est pourquoi nous nous tournons vers le Seigneur ressuscité pour lui demander de nous purifier, de nous apprendre avec lui. Nous apprendre à aimer comme lui-même nous aime. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glorifions et louons le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent au Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens des Pergés, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où il était parti. C'est là qu'il avait été remis
à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits. La gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et demeure, il n'y a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entends une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Pendant le dernier repas que Jésus prend avec ses 20 disciples, Zida quitte la table à aller. L'hélas, Jésus dit, à cela, garçon, l'humanité finit glorifiée et bon Dieu finit glorifié dans ce garçon. Si la gloire bon Dieu manifestée dans ce garçon, bon Dieu vous donne ce garçon sur la gloire et il n'est pas pour tarder pour glorifier lui. Pour mes petits enfants, vous pouvez avec eux pour un petit guide les temps encore. Me donnez-vous un commandement nouveau. Comptez-vous entre eux, pareil comme moi. Comme moi, me comptez-vous, vous êtes bien content de camarades. Si vous êtes dans l'amour pour vous camarades, tu dis moun pour connaître qu'ils sont mes disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons trouver, si nous lire l'évangile saint Jean, qui, arrivé au chapitre 13, n'y n'est plus pour adresser sa parole de notre bon enseignement pour la foule, l'hypodonne sur l'enseignement et lui réserve sur l'enseignement pour ce bon disciple. Et dans cet enseignement-là, justement, jour qui prend ce dernier repas, quand Judas l'Iscariote fin de décider pour livrer lui pour vendre l'autorité, pour vendre lui. Là, Jésus vous dit, ça pas une parole qui nous tendait là. Qui, à cela, garçon, l'humanité, fin glorifié, et bon Dieu fin glorifié dans ce garçon. Ce qui veut dire que tout ban l'événement pour dérouler. Comment donc il finit prévoir. Et en même temps aussi, décision qu'il finit prendre pour aller jusqu'au bout sa mission. Il prend ça donc dorénavant, il n'est pas pour réguler, il peut aller devant, déterminer. Et c'est ainsi donc qu'il dit que la gloire, on dit, pour manifester dans ce garçon. Bon Dieu pour donner ce garçon sur la gloire, il n'est pas pour tarder pour glorifier lui. Et Jésus donc a fait, comme dit, donner l'indication qui, ce qui peut arriver lui, c'est-à-dire sur la passion, sur la mort, sur la résurrection. Mais en même temps, depuis Jésus, tout de suite après, il vous donne Zut, puisque mon père quitte Zut, il vous donne Zut un commandement nouveau. Et ça commence dans le nouveau là, il dit de content entre eux, pareil comme moi. Comme moi, moi content eux, de bien content de camarades. Pour qu'il faire, donc Jésus dit le nouveau. Pourtant, dans l'Ancien Testament, et non, ça commence un commandement, donc il dit qu'il doit pas un juif connu. Qu'ils aient bien content bon Dieu, avec tous les cœurs, tous les l'intelligence, tous les l'esprit, tous les avec tous les la force. Et en même temps aussi, dans sa lutte commandement là aussi, qui disait qu'ils bien content de prochain, comme à eux-mêmes. Et l'indication, beaucoup d'indications qu'ils sont capables de gagner, de trouver dans l'Ancien Testament, comment pour capables de content du prochain. Et nous avons l'aide aux orphelins, aux veuves, il ne fallait pas qu'ils causent l'injustice dans le travail, dans
et relations employeur-employés. Pas besoin donc de faire ainsi de suite. Et même les 10 commandements aussi, c'est une manière pour qu'ils nous respectent, camarades, pour nous content du prochain. Et pourtant, donc, quand Jésus donne ce commandement-là, il dit donc, pareil comme on dit, nous incontent donc les uns les autres. Et quand Saint Jean donc continue après le départ de Jésus, continue vive et il a une communauté chrétienne, il trouvait que il y a beaucoup de crise à l'intérieur de la communauté. Comment la communauté chrétienne dans sa communauté, il y a quelque chose qui part vraiment pas et qui relève de l'amour chrétien, de la fraternité chrétienne. Et c'est pourquoi donc il faut insister l'amour fraternel. Ça ne veut pas dire qu'il ne pas prend compte de l'amour universel, c'est-à-dire qu'il vient compte en tout du monde, mais pour justement, il vient besoin à l'intérieur de la communauté, il vient insister pour qu'il y ait l'amour fraternel. Parce que justement, il trouvait que dans sa communauté, l'amour papait vivre comme un bien. Alors nous aussi, quand nous venons nous disions autour de nous, nous trouvions aussi comment l'amour que Jésus demande nous vivre, nous papait vivre et nous papait vivre comme un besoin. Quand nous regardons autour de nous et dans toute la violence dans le couple, dans la famille, violence verbale, violence physique. Et là aussi, quand nous regardons dans nos quartiers, comment et dans la drogue peut faire ravage, et dans une marche sans la drogue, qui peut justement du papier montrer l'amour pour le prochain. Qui l'amour qui se peut montrer pour le prochain, c'est peut vendre l'amour. C'est pas la vie qui se peut amener, mais c'est bien l'amour. Quand nous trouvons dans nos pays aussi combien d'injustices, combien de passe-droits, combien de corruption qui est énorme, il n'y a pas qu'à dire qu'il y a donc l'amour fraternel. C'est ainsi donc que, de même aussi, nous connaissons, et quand nous sommes contents, il y a beaucoup de façons contents. C'est un mot qui nous utilisait souvent, mais qui pas retenir même signification. Nous trouvons une chose, comme un confrère peut dire de tout. Et ben ça, content les rats. Mais qui a été content? Et vous savez que ça les rats là, ensuite ça les mangez, ça les vous quittez la même en place. Et non, ben content chewing-gum. Ça chewing-gum là, il faut marcher, il gagne ce parfum, il gagne ce la menthe, tout ça. Et puis ensuite, quand il vient marcher, il fait ça. Tchoup. Quand tu veux dire, parfois nous trouvons une table, nous sommes récolter un chewing-gum avant le banc. Bon, l'église, avant la communion, on a un chewing-gum et collé ça en bas et nous allons communier. Tout qualité, content. Comme on a un an qu'on dit des choses qu'on fréquentait, mon content, toi. Parfois, il y a des par moi chewing-gum. Et donc, mais quand nous comparons ça avec ce que Jésus, la manière qu'il a dit de finir content, c'est autre chose. C'est autre chose. Et justement, Jésus demande nous, content, comment dit il content? Et Saint Jean peut insister là, pourquoi? Parce que pour lui, c'est pas une façon de dire du bien comme ça, une comparaison. Il vient content aussi fort, aussi profondément que Jésus. Ce n'est pas nécessairement donc séparément comme l'intensité ou alors une comparaison, ou alors un amour pour Bandimoun qui est loin. Mais pour Saint Jean,
c'est bien toute chose. Ça, c'est une réalité fondamentale, essentielle, qui fait partie de la communauté chrétienne. En dans quel sens? Dans le sens qui, quand Saint Jean, dans ce premier lettre, où il fait l'envoi de sa communauté, au chapitre 3, 26-23, quand il dit à la commandement qu'ils aient fini de donner. Il peut dire, commandement qu'il fait donner, c'est croire en Jésus-Christ et d'aimer les uns les autres. Nous trouvons donc, pour Saint Jean, la foi, ça veut dire croire en Jésus-Christ, ça veut dire la foi, et l'amour qu'il fait devant nous, l'amour fraternel, tous les deux, nous aimons marcher ensemble. Ce qui veut dire que plus nous avons la foi, plus nous pouvons contents, apprendre content. Plus nous pouvons contents, pour donner une indication vraiment qui vraiment nous est dans la foi. D'ailleurs, Jésus dit, si vous êtes dans l'amour pour votre camarade, tout le monde vous connaît qui vous êtes mon disciple. Ça, c'est très, très important, parce que donc ce qu'on appelle un amour théologal. Qui fait bien l'amour théologal? Théologal, théo, ça veut dire Dieu. C'est un amour qui bondit et non, bondit papa et non pour ce garçon. Et qui, le fils, c'est-à-dire garçon de l'humanité, ça l'amour-là, il est non pour ce papa. C'est dans ça l'amour-là, c'est de cet amour-là que Jésus peut dire nous comptons les œufs. Pas un amour qui nous inventait, qui nous croit, qui nous imaginait, mais c'est dans l'amour tel quel qui détenant entre eux, entre le Père et le Fils, c'est ça l'amour-là qui demande nous vivre. Et dans ça l'amour qui bondit et non pour, pour nous, pour ce garçon, il y a de tout. Hein. Et dans la patience, et dans la générosité, et dans aller jusqu'au bout, et dans la gratuité, hein. Et il y a aussi donc il y a le pardon, il y a tout dedans. C'est pourquoi donc nous dire que si nous envie donc qui m'a des yeux du monde comme nous comment quoi être chrétien, disciple de Jésus, alors nous besoin monter que ça par nous l'amour. Effectivement, nous vous disons, mais c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile à aimer. Mais ce n'est pas impossible. Parce que Jésus pas dit à nous, mais content les uns les autres, comment moi je suis content d'être, laisse-nous comme ça, et tu sais, à le débrouiller. Débrouillez-le tout carré. Comment vous content. Pas ça du tout. Au contraire, le Christ est là pour vous. Il est toujours à nos côtés. Il est toujours présent dans nous, dans la vie, dans nous les cœurs, si nous accueillons. Il dit, bien sûr, si nous résistons, nous mettons des hauts, nous les cœurs, nous la vie. Il n'est pas pour là. Mais quand nous accueillons, il est là toujours présent. Il est là avec cela la force, il est là avec cela l'Esprit Saint. Il est avec cela la lumière, pour éclairer nous. Il est là aussi avec un sacrement qui est divine de nous. Il est là avec ce l'amour. Et donc il a donc à travers les sacrements pour nous capables contents justement divine non seulement à partir du baptême mais tous les sacrements donc montrez-nous ce l'amour et de quelle manière il vient nous donc nous bien contents les uns les autres. Alors nous comprenons que c'est Jésus dit capable rend nous capables d'aimer. Sans Jésus nous pas capables contents. Bien sûr, aimer à la manière de Dieu. Et c'est pourquoi donc nous sommes capables de prier. Nous demandons Jésus, montrez-nous. Et montrez-nous comment vous êtes contents. Comme si nous faisions l'école de Jésus. Et c'est ainsi donc que le Christ est capable de rendre nous capables d'aimer. Comme lui-même disait, tout est possible à Dieu. Alors c'est sa grâce, sur l'amour, donc qui peut permettre de nous et content les uns des autres, comme lui-même les contente. Alors
C'est cela que le monde attend, justement, des chrétiens. C'est l'amour. Et l'amour, non seulement pour bon Dieu, mais l'amour aussi fraternel. Et c'est ce que nous devons aussi montrer, témoigner dans nos paroisses, dans nos familles, et aussi dans nos paroisses, pour qu'il y ait un changement, une transformation de la mentalité, et une transformation de la vie dans nos paroisses, nous qui, nous qui sommes conscients justement de ce qui est de la parole de Dieu, alors nous sommes capables de faire de manière à ce qui, par nous la vie, par nous témoignage, nous apporte sa transformation. Pour confesser notre foi, nous prenons, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion et a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Je crois, Seigneur. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et puisque le Seigneur Jésus nous invite à aimer les uns les autres, confions lui nos prières. Pour l'Église, afin que sa parole et son action missionnaire soient partout dans le monde un ferment de paix et d'unité. Prions le Seigneur. Afin qu'ils s'ouvrent toujours davantage aux autres et se mettent à leur service. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre société moderne, dont la course à la possession des biens de ce monde est si souvent insatiable, et ceux dont les conditions de vie sont détruites à cause de cette avidité. Prions le Seigneur. Et de nous d'aimer comme toi tu nous as aimés, afin de témoigner de notre foi en toi. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie, par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rends-nous grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi et nous le proclamons. Tu as remis la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permis qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, et tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec celui qui nous rend capables d'aimer, avec lui, osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans chaque église, donne-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le jeudi 19 mai, nous prierons pour notre évêque, Monseigneur Maurice Sapiat, parce qu'il fêtera le jeudi 19 le 31e anniversaire de son ordination épiscopale. Ça fait 31 ans qu'il est évêque. Et dimanche 22 sera le 6e dimanche de Pâques. La vie catholique d'aujourd'hui nous donne un dossier sur la famille, et ceci en lien avec la journée mondiale de la famille que nous fêtons aujourd'hui, en ce dimanche mondialement. C'est également aussi en relation, en lien avec la 10e rencontre mondiale des familles qui se tiendra du 22 au 26 juin à Rome. Les messes du 26 et du 25 et 26 juin, c'est-à-dire le mois prochain, seront consacrées à la famille. La vie catholique aussi nous donne un récit de l'ordination de Jean-Rex Casimir avec beaucoup d'images à l'appui. Vous avez également en vente, à partir de cette semaine-ci, le catéchisme de l'Église catholique en abrégé. Et c'est un livre qui nous donne justement tous les aspects de notre foi et qui répond donc qui peut répondre à toutes nos questions concernant nous la foi. Alors, j'encourage chaque famille à avoir ce livre qui pourrait être une aide précieuse aux parents pour eux-mêmes et aussi pour les enfants. Si jamais les enfants demandent des questions, vous avez là des réponses. C'est également aussi les catéchètes ont fait commande, ont passé commande, et je voudrais leur dire que leur copie sont avec la sœur Marianne. Si vous en voulez, qu'il n'y a pas sur la table de la vie catholique, donnez votre nom, nous allons prendre note pour vous apporter par la suite des exemplaires. Depuis quelque temps, depuis Pâques, nous trouvons qu'il nous et une augmentation du nombre de participants. J'en suis très heureux, et nous sommes tous très heureux de cela. Mais on en demande justement de donner toujours les noms, d'inscrire. Mais nous qui venons sans inscription, nous trouvons, nous ne pouvons pas payer. Ça veut dire donc, vous êtes les bienvenus. Mais en même temps aussi, il faudrait peut-être que des personnes qui ont l'habitude de regarder l'Eucharistie, alors qu'ils peuvent venir à la messe, donc de pouvoir aussi leur dire ceci, il faut venir en personne pour la participation à l'Eucharistie. Et ça, c'est un acte de la communauté. Et c'est une action de grâce communautaire. C'est un acte public de notre foi. Et donc, si les choses on est en train de passer la messe en réseau, et peut-être faudrait demander est-ce qu'il faudrait cesser ou non. Mais il y a également aussi des malades qui veulent aussi continuer à suivre la messe sur leur portable ou sur leur écran. Ça aussi, c'est un aspect à considérer. Voilà, on ne prend aucune décision pour le moment. Mais c'est bon que les gens aient besoin de la messe en personne et non pas
nous contente-nous, regarde ça dans le portable ou à la télévision. Sauf bien sûr pour ça fait du bien aux malades, justement, de voir que d'être en lien avec la communauté paroissiale. Alors, encore une fois, encourager les personnes à venir à la messe. Et comme on vous disait, même si ça dépasse 50 dimounes, ce qui si nous compte, nous, là, nous avons plus que 50 dimounes. Ne pas vous reposer. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie se disperse et tombe en ruine. Et sans toi nous ne pouvons pas, nous ne saurons pas aimer. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus ton Fils qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde en ce temps pascal. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce et du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à la vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche à vous tous et bonne semaine. Merci mon Père aussi.